tout est super génial. Tout est cool quand tu joues dans la même équipe. Tout est super génial. C'est un rêve de magie. Coucou les loulous. Est-ce que ça va aujourd'hui, oui, les petits copains? Oui, toi ça va bien. Mais qu'est-ce que t'as là? Mais c'est des dents qui sont toutes toutes sales, boules là. Boules, là. Ah, elles sont propres tes dents. Oh, oui. C'est des faces. Ah, c'est des faces. Ben, c'est bientôt Halloween, mes copains. On sait, elles se préparent, hein, c'est ça. Mais aujourd'hui, on va pas faire Halloween. Aujourd'hui, non. Qu'est-ce qu'on va faire? Une pizza. Une pizza. Croissant. Une pizza croissant. Non, c'est pas ça. C'est un croissant à la tomate. Fromage. Et à la mozzarella. Oui. Alors, est-ce qu'on a fait cette recette? Oui! Ouais! Allez, on y va! Et oui, aujourd'hui, les amis, c'est tout nouveau. On me voit aussi dans les recettes. Alors, passons tout de suite à la recette. Alors, pour réaliser ces croissants tomates mozzarella, il nous faudra quoi? C'est quoi ça? De la pâte feuilletée. Une pâte feuilletée. Un tube de tomate, de sauce tomate, et ensuite une boule de mozzarella qu'on a coupée en combien de morceaux, Océane? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc une boule de mozzarella qu'on a coupée en 8 morceaux. Alors, pour commencer cette recette, il n'y a rien de plus simple. Donc déjà, on va mettre la mozzarella à côté et la sauce tomate à côté. Et on prend la pâte feuilletée. Alors, la pâte feuilletée, on va la couper en 8. Comme ça. Voilà. Donc, les petits copains, on va utiliser un couteau. Mais ne faites pas ça sans l'aide d'un adulte. Parce que ça peut être très dangereux. Alors, Océane va le faire avec moi. Donc d'abord, on coupe en 8. Donc, 1, 2, on va essayer de faire ça égal. Voilà. Pas trop fort, ça sert à rien parce qu'elle se coupe bien. Par contre, je vois les petites traces de petits doigts d'Océane. Bien, ouais. La petite coquine. La petite coquine. J'ai coupé de travers. C'est pas grave si j'ai coupé de travers, tu sais. Donc, voilà. Déjà, en 4 morceaux. Et là, on va faire une croix. On va faire une croix, enfin deux croix. Ouais, deux croix. Et là, en 8 pages. Non, on va faire une étoile. On fait une étoile. Mais oui, parce que les étoiles, elles sont comme ça. Un soleil. Un soleil, en fait. Donc voilà, notre pâte est coupée en 8 morceaux. Et si vous n'avez pas déjà fait ça, faisiez ça. Ah, si vous n'avez pas déjà fait ça, faites ça, elle a dit Océane. Bon, alors on l'a coupé en 8 et maintenant on va passer à la suite. Une fois qu'on a coupé la pâte en 8 morceaux, qu'est-ce qu'on fait? On prend la sauce tomate. La sauce tomate. Allez, et on bonjour. Va venir en mettre. Bonjour. Oui, toi tu ouvres. Et on va venir en mettre juste au bord ici, les petits amis. D'accord, alors. Et on ça va être tout ça. Seul. Donc si vous n'y arrivez pas tout seul, bah, faites-vous aider d'un adulte ou d'une personne plus grande que vous. Oh, mais c'est trop facile. Non, c'est trop facile. Donc voilà, donc on met ça vraiment sur le bord. Arrête, tu fais ma deuxième. Ça, je fais toute seule, moi. Alors, tu fais toute seule? Allez, hop, on tourne. Et on fait ça sur les 8 barres. On essaye de ne pas en mettre partout. Allez, à l'autre. Moi, j'en ai un peu. Ouh là là, il y en a beaucoup, là, il y en a beaucoup. Ouais. C'est pas grave. Oh, il y en a beaucoup. Oh là là, Océane avait un petit accident, elle a mis beaucoup. Oh. Je crois que je vais t'éléger. Une fois que c'est terminé, ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la... La quoi? La chantilly. Non. Non. La mou... La mou... Za... Za... Ré... Ré... La. Donc maintenant, la. On va prendre quoi? La... Morezilla. Ouais. Non. Non, on va dire non. Alors on la prend. Non, moi je la prends toute seule. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va prendre, alors je te montre, regarde, tu prends un petit bout. Oui, et après
tu le mets. Alors moi, je le mets dessus. On le met dessus. Allez, vas-y, fais la même avec les autres. Oh, ça, vous pouvez le faire tout seul, les enfants. Ouais, mais ça, c'est mon cousin. Comme ça. Comme ça, maman. Oui. Oui, c'est un peu celui-là. C'est pas là sur les casses. Est-ce que tu veux que je te tourne? Oui, un truc. Oui. Hop. Allez, dans le reste. Il n'y a rien que ce deux. Parce que rien. Un, deux. Alors, un, deux. Pareil. Ça a l'air bon. On dirait un petit bateau. Oh. Ah. Aïe. C'est bon. Bravo. Alors maintenant qu'on a tout mis, on va les rouler. Alors, comment va-t-on rouler ça? Alors, je vais te montrer avec un. Le maman, elle va t'aider un peu parce que c'est un peu... ça colle un peu. Oui. Il fait un petit peu chaud à la maison. Oui. Il y a le four en route. Tout. Voilà, donc on va le rouler. Hop, donc on va essayer de le rouler. J'espère que moi, je goûter que la pâte toute crue. Ah oui, oui. La pâte toute crue. Non, on ne mange pas la pâte toute crue. Non. Oui, si. Bon, non. Merci. Donc, une fois que c'est fait, eh ben. Les Italiens, ils en mangent, tu n'as pas tout coulé. On le roule comme ça, voilà. Comme des petits croissants. Et on leur donne une petite forme de croissant. Voilà. Oui, mais on les ferme comme ça. Alors là, ça colle un peu parce qu'il fait un peu chaud dans la maison encore. On habite dans le sud, donc il fait chaud. Voilà. Merci. Donc voilà, ça fait un joli petit croissant. Donc on va faire avec le reste, Océane. Oui, j'ai fait toute seule. Alors, on va faire toutes les choses. Je vais essayer. Allez, vas-y, essaye. Mais je vais quand même t'aider un peu parce que ils sont bien bien collés. Hein. Ouais. Voilà, je te le décolle un peu. Attends, regarde. Attends. Moi, je décolle. Voilà, vas-y, maintenant tu peux rouler, c'est décollé. Voilà, voilà. Ben voilà, quand on décolle, tout va bien, nickel. Regardez. Et moi, je ferme. Et là, tu fermes. Donc Océane les ferme un petit peu et voyez ce que ça donne les petits amis. Donc je vais vous montrer un peu plus là. Donc voilà ce que ça donne. Essayez de pas voilà. Donc on va faire ça à tous, c'est ça? Alors regarde, je te décolle un petit peu. Voyez petits copains, si ça colle un peu, n'hésitez pas à décoller le bout. Oui. Voilà, et voilà, et après ça va tout seul. Allez, vas-y, roule. Je roule. Et voilà. Et on fait une petite forme de croissant. Et tu colles les bouts. Et voilà, moi, c'est parfait. Et on fait tout le reste. Alors, Océane a mis tout sur une plaque, sur une autre feuille, sur une plaque. Et maintenant, ce qu'on va faire, on a pris un peu d'eau. Voilà, un petit peu d'eau. Avec un pinceau. Et qu'est-ce qu'on va faire? Un petit peu de lait. Oui, pardon. Oui, bravo, Céane. Un petit peu de lait. Parce qu'on va faire d'eau. On va badigeonner un petit peu les croissants pour qu'ils dorment au four. Pas pour qu'ils dorment, hein. Mais non. Pour qu'ils dorment, hein. Non. Allez, ben on va mettre un petit peu de lait sur chaque croissant. Comme ça. Pour qu'ils soient tout dorés. Oui, comme ça, ma chérie. Allez, vas-y, tu mets tout ça. Un peu ici. Pas trop, hein. Ouais. Ça met un peu. Et nous avons fait pendant ce temps préchauffer le four à 180 degrés. Enfin, moi, ça l'ai fait dans ma chambre. Alors, le four est à 180 degrés et on va enfourner ces croissants pendant 15 minutes. Et oui, pendant 15 minutes. C'est doux. Je vais avoir 15 minutes. Et voilà. C'est quoi? C'est terminé? Oui. C'est tout cuit? Oui. Tu me montres un peu ce que c'est? Waouh, regardez les petits copains.
travail. C'est très clair. Oui, mon monde passe sur la cuisine. Mais que ça a l'air bon. Alors oui, c'est sorti du four. On les a mis pendant 15 minutes. Mais là, on va pas les manger encore parce qu'ils sont encore un peu chauds. Ça glisse. Qu'est-ce que tu fais, Océane? Ça fait n'importe quoi. Coucou. La coquillou. Alors, voici ce que ça donne. Des bons croissants. Qu'est-ce qu'on va se régaler? On va les manger quand ce soir? On va aller manger avec papa. Mais oui, parce que papa, il n'a pas goûté. Et oui, papa n'a pas encore goûté. C'est bientôt l'heure du repas ce soir. Oui. Alors les petits copains, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, dites-nous le dans les commentaires. Et n'hésitez surtout pas à nous donner des nouvelles recettes de cuisine. Parce que votre aide est la bienvenue. Parce qu'il faut un manque d'idées. Hein. Alors n'oubliez surtout pas de mettre un petit pouce vers le haut. Et en attendant la prochaine vidéo, on vous fait de gros bisous.